Bonjour à toutes et à tous, ça y est, me revoilà. J'ai dit que je devais faire la vidéo hier, mais bon, les aléas de la vie font que hier j'avais pas trop le temps. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop et puis que vous allez bien. Moi ça va. Bon, à part un petit jetard ici, un bouton de fièvre, c'est pour ça que je faisais pas beaucoup de maquillage, parce que j'aime pas me maquiller quand j'ai ça. Donc, ceux qui savent ce que c'est et qu'ils en ont aussi, eh ben voilà quoi, c'est chiant, ça dure un petit temps. Bon, on va passer au vif du sujet, au crash test de cette palette. Donc j'ai voulu faire le crash test celle-ci et celle-ci pour voir les différences de couleurs. Donc on va ouvrir les deux et on va voir la différence. On va pas faire de conneries. Donc voilà la différence qu'il y a. Franchement, vous n'allez pas me voir, mais je vais faire quelques swatchs hein, pour comparer. Donc je vais mettre ça sur mon bras. Allez, on va comparer les deux jaunes. Ouais, franchement, c'est kiff-kiff, hein. Déjà les deux jaunes, c'est les mêmes. Donc en haut, c'est la bleue. Ici, c'est la bleue. Et en dessous, c'est la rose. On va comparer les deux roses. La bleue. L'autre. Franchement, pour ceux qui ont déjà la roque, je pense que ça sert à rien d'acheter l'autre. Parce que c'est pareil hein, pour ma part, pour le moment. On va prendre les petites lingettes parce que on va encore s'en foutre partout. Voilà. Donc je vous fais 2-3 swatchs, je vous fais pas tout parce que sinon je vous fais à peu près ce qu'il y a dans la palette et ce qu'il n'y a pas. Zut, je suis trompée de côté. Ouais, c'est le même. Franchement, c'est pareil. C'est les mêmes couleurs, franchement. Allez, un bleu, et puis voilà. On va pas tout faire, parce que sinon... Voilà. Donc, la bleue et la rose, vous voyez. C'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas de différence pour ma part. C'est les mêmes couleurs. C'est pas évident sur le bras. J'espère que vous verrez bien. Donc voilà, bon, je ne vous fais pas tout parce que sinon ça va encore mettre une plombe et puis. Hein. Donc je vous dis un peu, j'ai fait mon teint avant, hors en caméra, parce que sinon, pareil, après ça prend trop de temps. Donc j'ai mis le Miss Den, c'était un nouveau que j'avais pris, que j'avais pas encore testé. Bon, ils disent haute couvrance, mais franchement, bon, enfin, on voit encore mes taches et tout ça. Hein. Donc haute couvrance, ils repasseront. Hein. Donc c'est un fond de teint mat parfait, haute couvrance, matifiant. Lisse et estompe les imperfections du teint. Ouais, bah je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Attends, j'ai mis deux couches. Hein. Ouais, on va dire que c'est modulable, après on va pas en mettre trois couches non plus quoi. Donc celui-là, bof. Donc après j'ai mis l'infaillible en anti-cerne, donc j'en ai mis ici et aussi sur la paupière pour faire... Pour faire la base quoi. Voilà. Après, j'ai mis un petit... J'ai poudré avec... La poudre de chez Yves Rocher, toujours la même. La zéro défaut poudre matifiante peau parfaite. C'est la numéro. C'est la beige claire. Je sais pas, il y a pas trop de numéro. Celle-là. Moi, elle me convient bien. Hein. Pas de soucis. Après, j'ai pris un petit blush de Kiko. Pareil, j'adore cette couleur. Ça fait vraiment un beau teint, une bonne mine, quoi. Voilà la
la couleur du blush. C'est le numéro 1. C'est Unlimited Blush. J'ai du mal avec l'anglais. Vous verrez, c'est le 1. Ouais, franchement. Oh non! J'ai mis un. Bon, c'est rien, ça va, je l'ai pas abîmé. Je l'ai pas trop abîmé. Ouais, c'est une belle couleur rosée. J'aime bien. Donc voilà pour le teint. Ah oui, petit clin d'œil à Sandrine, si tu passes par cette vidéo. J'ai mis du mascara sourcil, quel miracle! Mais bon, ça se voit pas beaucoup. Hein. Il est trop clair, donc je vais aller voir, c'est le Yves Rocher. Je vais aller voir s'ils ont pas une teinte un peu plus foncée, je pense que ça ira. Que là, ça se voit pas des masses. Donc voilà, hein? J'en ai mis! Même si ça se voit pas! Donc voilà, on va passer au test palette. On va, je sais pas trop ce que je vais faire comme comme maquillage aujourd'hui. De toute façon, on va faire, ouais, on va tester les deux palettes. Hein, En fait, j'avais envie de faire un espèce de trait comme ça là. On va essayer ça. Hein. Vous voyez, ça fait un trait comme ça qui part ainsi. On va essayer parce que c'est la première fois que je vais le faire. Donc bon, on va commencer par le rose, vu que... Bon, je vais prendre un œil avec la Rock et un œil avec la Wave. Donc la Wave, ce sera l'œil gauche. Et l'autre, bien sûr, la Rock. Donc, on va commencer par la couleur rose. Donc c'est pareil, les deux palettes, ils ont la couleur rose. Hein, donc voilà. Alors voilà. Alors, mon miroir, c'est parti. En fait, j'aurais dû c'est mettre un scotch. Mais bon, tant pis, on fera l'arrache. Hein. Donc voilà, je vais faire un trait comme ça. On va faire pareil pour l'autre. Donc, je prends l'autre. Hein. La même couleur. Désolée, je cache la couleur là. Ah, la lumière plutôt. J'ai jamais fait ce style alors. Parce que ça va donner. Ça va pas donner pareil de l'autre côté, je parie. Ouais. Vu que j'ai mes lingettes, je démaquille. S'il faut. Donc voilà, franchement, là, c'est les deux mêmes couleurs. Je vais remonter un peu plus à l'autre. Ouais. Ouais, ça va pas encore être un maquillage studio, cette histoire. Je vais essayer de... Voilà, bon. S'il faut des retouches, on retouchera tout à l'heure. Alors après, je vais prendre l'orange. Sur l'orange, il est dans les deux aussi. J'ai mis le... Voilà. Ce que ça donne pour l'instant. Donc là, je prends l'orange de la Rock. Ici. Franchement, la Rock est bien pigmentée aussi. Je l'avais utilisée qu'une fois, mais...
Elle est quand même pas mal, hein. Je m'en rappelais plus, mais en fait. Voilà. Donc pareil, le orange de celle-ci. Je nettoie bien mon pinceau avec le petit truc en mousse. Où est-ce qu'il fait du soleil par chez vous? Nous, dans le nord, ça y est, c'est revenu, hein. Aujourd'hui, il devait faire 20, 27, 28, je crois. Bon, c'est pareil. Là, pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, les gens. Donc ça, c'est la bleue et ça, c'est la rose. Donc j'ai envie de... Je ne sais pas si je vais faire le... Attends. Désolé si ça change de... Comment, de luminosité. Parce que là, ça... Quand je me mets devant la caméra, je sais pas, ça... Désolé. Bon, est-ce que je prends du jaune ou du vert? On va peut-être prendre du vert pour changer. Donc, le vert ici. De la petite... De la roque, pardon. C'est un peu chiant de prendre une palette, l'autre palette. Ah, c'est des couleurs pas hivernales, hein. Enfin, pas automnales en tout cas. J'aime bien. J'aime bien le résultat. C'est la première fois que je teste un maquillage comme ça. Donc là, on prend le vert. Bon, c'est pas tout à fait le vert comme l'autre, mais c'est quasi kiff-kiff. Il y a un tout petit peu de jaune dedans, mais c'est pas gênant. Je pense que... sont même si... Ils se voient un tout petit peu moins que l'autre, on va dire. Donc je disais ici, il fait super beau. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Dites-moi. Donc vous voyez, il est un peu plus clair que... Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On va pas... C'est normal qu'il y a des... C'est la première d'ailleurs couleur que qu'il y a des... Pas des... Un tout petit peu de différence, on va dire. Donc vous voyez ce vert-là. Et ce vert-ci, il est légèrement plus foncé, quoi. Voilà. La différence qu'il y a entre ces deux couleurs-là. Ensuite, donc je vais peut-être un petit peu démaquiller pour faire comme il faut le... Vous voyez, la... Je m'exprime mal aujourd'hui. Pour faire la virgule comme il faut. En fait, je démaquille. Je démaquille juste la paupière mobile, en fait, hein. Pour que ce qu'on voit bien. Je vais remettre un petit peu de... Comment? D'anticerne, je vais y arriver. Par contre, ouais, j'ai pas... Ouais, bah, je vais le faire avec un pinceau, ça ira quand même. Pinceau plat.
pas trop en mettre quand même. Un poisson plat, j'en ai un. Un peu pas facile ce. Oh non! Je m'en doutais que ça allait merder. Regardez, j'ai mis du. De l'anti-cerne au-dessus. Voilà ça. Voilà ce que ça fait. Comment je vais rattraper ça, moi? Il était beau. J'avais fait un beau truc, hein, mais non. Non, il faut toujours que. Toujours que ça. En fait, fallait pas que j'ouvre l'œil. C'est ça l'erreur que j'ai faite. Bon bah écoutez, on va essayer de rattraper, mais il va falloir remettre de la couleur en fait. Comment je vais retirer ça moi? J'ai vraiment pas de bol. Ouais, bah, je vais remettre de la couleur, j'ai pas trop le choix. Donc il y avait l'orange. Les aléas du. Ça va d'aller, on va rattraper le truc. Voilà, mes catastrophes. Et réparer. Donc voilà ce que ça donne, les amis. Là, on voit un peu le trait, on le voit pas. Enfin. Façon que ça fait pas pareil d'un côté que de l'autre. Façon, on n'a jamais le même côté. Donc après, je vais mettre une couleur. Couleur paillette en fait dessus. Hein. Les deux côtés, bien sûr. Là, il y a une couleur gold. Je pourrais pas mettre la même parce que en fait il n'y a pas les mêmes couleurs paillettes quoi. Je sais pas laquelle mettre. La roque, il y a celle-ci qui serait pas mal. Et l'autre, j'aime bien, c'est la couleur, cette couleur-là. Donc la roque, il y a ça. C'est la couleur aurore boréale. Et l'autre, c'est la perle. Bon, on va mettre. Après, il y a la violette. Bah, la violette, il y a les deux violettes. Donc, ouais. Pas facile, hein? Pas facile, pas facile. Bon, on va mettre le violet parce que sinon après ça ira pas. Le violet. C'est un peu le bordel, hein. Je vous dis pas. Donc ça sera le violet de la roque, l'hélitrope, celle-ci. Et l'autre violet de la bleue, la mermaid. C'est parti.
peu poudreux, hein, mais ça, c'est pas être. Ça accroche bien avec le. Ouais, c'est coloré, hein. Vous me direz, ça, c'est sûr. Sauf moi, j'aime bien les maquillages colorés, donc. Il y a un peu de chute, hein. Voilà. Pareil pour l'autre. On est déjà à 20 minutes là, même que j'ai fait le teint. Donc la mermaid. J'espère que vous allez aimer ce make-up un peu changeant par rapport à ce que je fais d'habitude. J'aime bien. Voilà. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on va se mettre? En fait, j'avais envie de mettre ce crayon de chez Kiko. J'ai pas encore utilisé. C'est la collection Fruits Explosion. J'avais été chez Kiko la dernière fois. Et vu que je pense que ça ira avec ça, parce que vu que c'est du orange, un orange pétant, comme on dit. Par contre, ouais, il n'y a pas le. C'est le numéro 2, quoi. Ouais. On va mettre ça en dessous, voir ce que ça donne. Bon, là, vous ne me verrez pas, parce que, hein, comme d'habitude. Faut que je me penche en bas pour le mettre. Ah, il est bien voyant, il n'y a pas de souci. Ouais. Très bon crayon. Plus c'est les mimes rétractables, alors super. Voilà. J'aime bien, ça fait un petit rappel, quoi, de la couleur du dessus. Bon ben, je pense que là, on est bon, hein. On va pas mettre plus, hein. Peut-être une petite couleur là pour highlighter. Par contre, j'aurais pas la même couleur pour. Il n'y a pas autant d'highlight dans la bleue que dans l'autre. Enfin, je veux dire de coin. Pour mettre dans le coin externe, quoi. Interne, pardon. Bah, on va mettre, tant pis, on va mettre la perle ici. Mais franchement, la palette, les deux sont pigmentées. Franchement, pour moi, c'est les mêmes. Pas de différence, quoi. Et l'autre, on va prendre l'aurore boréale que je voulais mettre tout à l'heure. Moins que l'autre côté, je vais en remettre un peu. De toute façon, c'est pas la même couleur, donc c'est pour ça que ça se voit moins. Bon, bah, j'espère que ça vous plaît. On va terminer avec le mascara, et puis. Moi, j'aime plutôt bien. C'est spécial, vous me direz, c'est sûr. Donc, on va tester le mascara Pierre Rico que j'ai reçu hier. Une petite commande Pierre Rico, je sais pas si vous connaissez cette marque-là. Par contre, je ne saurais plus vous dire le prix. Les prix des palettes, vu que la Roque, ça fait déjà un petit temps que je l'avais, et l'autre, je crois que ça doit être 4 € et des chiquettes. Je pense, c'est pas 4,99 ou 4,80, un truc comme ça. Mais c'est pas cher, hein, de toute façon, en Action. Donc voilà. Pour le crash test de ces deux palettes-là.
Je fais le mascara. Donc c'est un mascara volume aux vitamines B3 et B8. Fortifiant volume. Donc on va bien voir la brosser comme ça. Pas trop grosse, ça va, j'aime bien parce que quand c'est trop gros, j'aime pas trop. C'est pas mal. Bon, après, il faut voir de couleur quoi. Enfin, de couleur. De couches, pardon. Bon, il allonge bien les cils. Franchement, ça va. J'aime bien. Très bien. L'autre côté. Donc en dessous, j'ai mis qu'un crayon hein, parce que pas trop en mettre. C'est déjà bien coloré au-dessus. Toujours des zigzags hein, pour mettre votre mascara. Et voilà, bon, je vais mettre qu'une couche parce que sinon ça va mettre corps diplôme. Ben voilà, on va mettre un petit peu d'highlight et le rouge à lèvres et puis le make-up sera fini. Donc on va prendre cet highlight-là de chez Primark. 3,50, le prix est corps dessus. C'est le Pink Diamond. Allez, franchement, les allègues de chez Primark, ils sont bien. J'aime bien. Ouh, ça brille, hein. Il n'y a pas de problème. Il y a brillance, hein. Ça rigole pas. Hop, je reprends même pas pour mettre sur le nez non plus. Un petit peu là. Voilà. Un petit rouge à lèvres. Donc je vais mettre un rouge à lèvres de Max & More hein, pour continuer dans le maquillage action. Prochaine fois, bah, je sais pas, on verra. Selon le maquillage, là, je vais pas mettre un. Je vais pas mettre un truc trop foncé vu que. Vu que voilà, c'est déjà bien coloré. On va mettre le premier, hein, le Muse. Moi, ces petits rouges à lèvres sont bien. Un nude pour tous les jours, il est impeccable celui-là. Ben voilà, le terrain de le maquillage est fini. Donc les deux palettes, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'est exactement les mêmes trucs, hein. Il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. C'est. Oula, j'ai failli faire une grosse bêtise. Elle a failli tomber la palette. Donc les deux pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas grand changement. Le jaune pareil, le rose pareil, l'orange pareil. Il n'y a que le vert là qui change un peu plus foncé. Bon, pareil, dans celle-ci, il y a un peu plus de couleurs miroitantes pour mettre. Mais voilà, là j'ai utilisé, il n'y en a qu'une. Deux, on va dire. Ici, il y en a un peu plus de couleur claire, mais bon, franchement, c'est. Pour moi, c'est pareil. Le maquillage est pareil, donc voilà. Donc, si vous avez déjà celle-là, je pense que ça sert à. Sauf si vous faites de la collection, bien sûr.
Vous pouvez acheter les deux, hein, mais voilà, pour ma part, j'ai acheté les deux pour vraiment tester celle-ci. Mais pour moi, pour ma part, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est dommage d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, hein, ils ont pas. Peut-être ils en feront une autre, avec des autres couleurs, ça serait cool. Bon, bah écoutez les filles, j'espère que mon maquillage vous a plu dans les tons colorés. Et puis que ben. Vous dites-moi si vous avez acheté aussi la Wave. Et qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci par rapport à l'autre. Et puis ben voilà quoi. Moi j'ai bien aimé me maquiller avec les deux. Donc voilà. Bon ben je vous fais de gros bisous. Et puis bah ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Salut, salut!